Bah, en fait, moi, ce que j'aime dans ce challenge, c'est qu'on peut être 20 à faire le challenge, on n'aura pas 20 la même histoire. Parce que bah, ça dépend sur quelle carte tu tombes, ça dépend sur... Ah, j'ai oublié de tirer la carte d'ailleurs. Donc, on va tirer la carte. Aujourd'hui, c'est chance, puisqu'on a fait l'événement hier. Donc, je me sers de mon téléphone pour tirer les numéros. Donc, 10 Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 18. 18. Alors, 18 chances. Dégrisement. Oh là 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 là. Voilà, donc on en parlait. Illustration. Rentrant chez vous après une soirée arrosée, vous avez eu la mauvaise idée de saccager les plantes d'un parterre de fleurs de la ville. Le tout filmé par une caméra. Après avoir été arrêté pour ivresse sur la voie publique, vous êtes mis en cellule de dégrisement avec une jolie amende à la clé. Déduisez 400 simflouzes de votre foyer via le code Money. Bien entendu, je n'ai pas 400 simflouzes. Donc, je vais sortir mon petit calepin. Notez que je dois 400 simflouzes, bon, que je paierai demain. Mais j'ai donc une semaine pour payer les 400 simflouzes. Heureusement que nous sommes samedi. Oui, elles sont sur le forum officiel. Du coup, tu peux les trouver facilement si tu tapes crise financière. Je vais aller, sinon, là, de toute façon, vu que je peux rien faire, je peux aller chercher. Non, je les ai pas. Donc, je suis en dette. Je dois 400 simflouzes. J'ai une semaine pour les régler. Et si je les règle pas, bah, après, j'en devrai 600 et ainsi de suite. Donc, je vais les régler demain directement. Du coup, attends, je regarde. Je regarde vite fait si je peux te trouver le lien. Hop. De toute façon, Penny, elle vit sa vie. Hein. Allez, va, viens ici et va appeler Don. Hop. Non, tu l'invites pas, juste tu discutes, tu discutes, tu discutes et tu discutes. Moi, pendant ce temps-là. Hop là. Et connexion. Pendant ce temps-là, je regarde si je vous trouve le lien du challenge pour ceux que ça pourrait intéresser. J'aurais dû ouvrir la page directement, ça aurait été plus simple. Hop. Pourquoi je la trouve pas? Donc ici, non, histoire et challenge. Les incontournables. Et... excusez-moi, hein, je mets 2 minutes, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et merci Lagarce pour le following. Crise. Pourquoi je le trouve pas? Oh là là. Legacy, les vieux, l'immigrant, notre Sobery, double vie, reconstruire sa vie, adoption, Bamba, Adam et Ève, l'homme, l'héritage. Bah mince, je trouve plus. Bah c'est balou ça. Bah du coup... Ah ça y est, je l'ai.
Ah là voilà, excusez-moi, ça a été un peu long. Voilà. J'ai le lien direct, je vous le donne tout de suite. Hop, contrôle C. Et merci Tonix aussi pour le follow, c'est très gentil de ta part. Hop. Voilà, comme ça, si quelqu'un le veut, c'est fait. Désolée pour le petit... Il faudrait que je me le mette en... Il faudrait que je me fasse un raccourci sur mon stream deck pour le poster à chaque fois. Donc, elle, qu'est-ce qui lui arrive? C'est bien, elle n'est pas morte déjà. Je l'ai laissée toute seule 5 minutes, elle n'a pas fait de conneries. On s'en sort bien. Alors, ensuite... Ah, c'est la musique qu'elle écoute. C'est bien. Pourquoi on l'entendait pas jusque-là, je ne sais pas. Et pourquoi on l'entend plus, je ne sais pas non plus. On l'entend que quand elle est à l'extérieur. Ça doit être ça. Bon allez, vivement là, dans quelques heures, on va pouvoir vendre tout ce qu'on a dans l'inventaire. Les trois gnomes flippants là. On dégage tout. C'est les soldes, c'est liquidation quoi. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Il dure 24 jours de Sims. Donc c'est super court, là on est déjà, c'est déjà la troisième semaine. Donc logiquement il nous reste... Oh, le challenge finit dans 4 jours les amis. Écoutez, il est 11h15, j'ai bien envie qu'on finisse le challenge. Après je sais pas ce qu'on fera, mais je crois qu'on va le finir aujourd'hui en fait. Parce qu'il reste que 4 jours, je vais pas faire un live pour 4 jours Sims, donc... Donc voilà, du coup, je pense que... Du coup, c'est le dernier. C'est le dernier dimanche. Je sais même pas comment ça finit. Enfin, genre, quand c'est le dernier jour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vend l'inventaire? Est-ce qu'on vend pas l'inventaire? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des tableaux les 4 derniers jours? Je sais pas. Il faudrait que je regarde sur les règles. On verra. On va attendre... Par contre, j'ai pas eu une seule fois... le marché aux puces, quoi. Je comprends pas. C'est censé être un jour sur deux, mais je l'ai pas eu. Enfin, un jour sur deux. Un dimanche sur deux, pardon, mais je l'ai jamais eu encore. Donc, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'ils disent? En toute logique, si vous avez... Hein, quand le jeune adulte fêtera son anniversaire. Ok. 25e jour sim, soit le 4e mercredi. Ce jour-là est aussi le moment de faire le bilan de votre galère pour savoir comment vous êtes sorti. Bon, bah c'est tout, alors. Donc on vend pas... Bah si, c'est la fin de la crise financière, donc on peut vendre ce qu'on a dans les 5, je suppose. Donc ça finit mercredi, on est samedi. Ça passe trop vite! Il a été trop vite ce challenge. Ah ça va, je suis pas tombée sur banqueroute, je suis pas tombée sur fête des triplés. Je suis pas tombée sur les trucs chelous, c'est cool. Que juste j'ai commencé avec zéro simflouze quoi. Alors, on la reconnaît pas bien comme ça, parce que la pauvre elle a pris cher, mais j'ai pris un PNJ, c'est Penny Pizzaz, qui vient avec Vicitadine, me semble-t-il. Et qui donc une habitante de San Myshuno. Et le problème, c'est que voilà, du coup, je l'ai démaquillée, je l'habille un peu toute pourrie. Et puis, j'ai loupé un événement durant le challenge qui a fait que j'ai dû la faire grossir dans le CAS. Donc, on la reconnaît plus vraiment, mais c'est un PNJ qui existe et qui ne ressemble pas du tout à ça en temps normal. Mais c'est le jeu Lucette, quoi. Donc... Et allez, on est minuit. Magnifique. Alors, on va essayer de pas faire de bêtises comme la dernière fois. Et pas vendre les My Sims. Hop, dès que j'ai 400, je les déduis. Bah, heureusement que j'ai fait des tableaux, hein, je vous le dis. Donc, on va tout de suite déduire ma dette. Parce que... Comme ça, c'est fait. Voilà. Et maintenant, tout ce que j'ai, c'est à moi. Ah non, non, je veux pas vendre ça. Je veux les ouvrir d'abord. Hop.
Voilà le sachet, voilà le sachet, voilà le sachet. Hop. Sous mes tableaux, c'est ça qui va me rapporter des sous. Voilà. Ça, c'est bien. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Moi, je dis 5000 simflouz alors qu'on est à 4 jours de la fin du challenge. Moi, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir quand elle se réveillera les graines, les vendre, et voilà. Ah non, franchement, on s'en sort bien, là. Disons que le challenge est mieux fini que ce qu'il avait commencé. Oui, je sais, j'ai un... Alors, ouvrir, 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 ouvrir. Tu veux pas les ouvrir? Ah si. Allez. Merde. Allez, tout ça on vend. Et voilà. Ah, merde. Excusez-moi, c'est un peu long le temps que je vende un petit peu, que je vire un peu ce qu'il y a dans mon inventaire. Et voilà, nous sommes donc à 5532 simflouz à 3 jours. Ah non, j'ai dit que je vendais ça aussi là parce que faut flipper les gnomes. Bon, je sais pas pour ce que ça rapporte. Oh, je les rapporte plaisir. Oh, magnifique. Bon, c'est pas fini encore. On n'est pas à l'abri d'un bug. Hein. On n'est pas à l'abri, du coup je sais pas. Est-ce que je fais des tableaux quand même ou pas? De toute façon, il n'y a pas vraiment de score à la fin, quoi. L'important c'est que je finisse pas en dette, quoi. Sinon, je suis dans la merde. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Allez, va quand même faire 2-3 tableaux, histoire de. Si jamais on se tape une banqueroute. Qu'on finisse pas avec comme on a commencé avec Walou, quoi. Oublie pas de sauvegarder. Ouais, c'est mieux, t'as raison. T'as raison, c'est pas bête. On sait jamais. Avec la nouvelle mise à jour, déjà que les photos sont pourries, alors on n'est pas à l'abri d'un plantage intempestif. C'est mieux comme ça. Allez, hop. Allez. Tu vas faire le ménage aussi un petit peu parce que bon. C'est pas que ce soit crade, mais. Mais on a connu mieux. Marc, c'est encore dimanche. Allez, vendre. Toutes les toiles que je fais aujourd'hui, je peux les vendre. Tu vas faire des toiles toute la journée, ma grande. Ça va toiler, ça va toiler, ça va toiler, hein. Allez. Bon, ce serait bien que j'ai quand même fini le live pour midi, midi et demi, parce que vu que j'ai prévu d'aller voir mon copain Mickey cet après-midi, j'aimerais pas y aller trop tard. Oh, un chef-d'œuvre, vendre. Oui, je vends un chef-d'œuvre. Oui. Ouh là 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 là. Money, money, money. It's a funny. On va devenir blindé d'oseille, c'est pas la crise financière, c'est la fête à la maison. Allez, oh, c'est l'hiver. Winter is here. Vendre un collectionneur, tu vas manger un petit peu. Un toile classique, grande toile classique. Ah, tu manges en peignant. C'est original. C'est original. Ah, vas-y, c'est bon, t'as assez mangé. Allez. Tu veux pas peindre?
Ouais, il y a un bug encore. Allez. Un petit chef-d'œuvre encore, ça serait bien. Histoire de... Comment dire, de finir en beauté ce challenge. J'aimerais bien qu'on passe la barre des 10 000. En ayant commencé à zéro, je trouve qu'on s'en sort bien. Ah, qu'est-ce que c'est ? Le marché aux puces ! Allez, on y va. Non, on y va seul, c'est bon. On va pas s'emmerder avec Don, hein, on en a pas besoin pour l'instant. On appelle Don que quand on en a besoin. Ah, dis donc, en 3 semaines de challenge, c'est la première fois que je vois le marché aux puces, dis donc. En sous-vêtements. Oui, en sous-vêtements. Il est où le problème? Peut-être elle s'habille entre-temps. Je sais pas. Regarde. Ah, tu vois, elle s'habille entre-temps. Du coup, là, je peux vendre. Elle a froid, a priori. Du coup, là, je peux vendre, hein, parce qu'il est où le marché aux puces? Il est là. Allez, ici. Ah, il faut que je les vende au marché aux puces, par contre, c'est ça? Enfin... Ah, je sais plus, parce que comme j'ai jamais eu jusque-là... C'est aussi ce jour où vous avez le droit de vendre des figurines My Sims. Donc non, c'est juste le jour où on a le droit. Allez, hop. 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 Et hop. Voilà. Allez, on rentre à la maison, Penny. Let's go. Bah, dis donc, on a même réussi à se débarrasser des figurines My Sims. C'est dire. C'est dire si on a géré la fin du challenge, quand même. Le début, moins, mais la fin, pas mal. Pas mal. T'es où, là? Bah, dis donc, elle est loin, la sortie, hein. Elle est loin. Bon, allez. On est parti. Eh ben, on va encore vendre un peu d'étoiles. Ah non, il est 11h. Ah, on n'a pas tiré au sort. Parce qu'aujourd'hui, c'est événement. 10 séries. Donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 4. 4. Magnifique. Quel est l'événement 4? C'est devenu bleu. Oh putain. Je le savais. Je savais, je savais. Mais bon, c'est bon, là, on est dimanche, ça va arriver le dernier jour. Vous ou votre compagne n'aviez, semble-t-il, pas bien pris vos précautions? Car il semblerait qu'un bébé soit en route. Faut-il s'en réjouir ou porter plainte contre le fabricant de préservatifs? Votre Sims ou son partenaire doivent essayer de faire un bébé jusqu'à attendre un enfant. Dans le cas où vous avez déjà tiré cet événement la veille et que vous l'avez réussi, vous devez relancer les dés dans cette catégorie. Donc, du coup... L'idée de devenir parent vous panique au plus haut point et vous allez voir le planning familial qui vous rassure beaucoup. Grâce à eux, vous découvrez que vous êtes éligible à une petite aide de l'État. Ajoutez 500 simflouz. Donc, je vais faire un bébé, ajouter 500 simflouz et puis de toutes les façons, au pire, il naîtra le dernier jour du challenge, donc on sera pas emmerdé. Donc, du coup, on va appeler Don, hein, parce que c'est le seul avec qui ça va marcher direct. Heureusement que je tombe là-dessus en fin de challenge quand même, parce qu'en début de challenge, je pense que je l'aurais mal vécu. Voilà, il va arriver, très bien. Prends une douche, c'est toujours mieux. Là que t'es habillée comme une SDF. Ah, mais voilà. Oh là là, mais la tenue d'hiver donne, c'est pas possible. Oh, et encore ça va. Mais le vert, le bleu, tout ça, il y a trop de couleurs. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lave les mains, c'est bien. L'hygiène est importante. Et un baiser suave.
Une entrée en matière. Essayez de faire un bébé dans le buisson. Ça va, il est d'accord. Il est toujours d'accord, de toute façon. Don est toujours partant. Toujours au taquet. Allez, go. Hein? Eh ben, il s'en sera passé des choses dans le buisson, hein, je vous le dis. Hein. Donc attends, tu bouges pas, Don. Je vais juste vérifier, hein, parce que... Et pas que tu t'en ailles si c'est pas fini. Ah, nickel! Félicitations, Don! Avoir un bébé! Ouais, youhou! Donc, on a gagné 500 simflouz. Alors, oula. 10 séries, combien font 8758? Non, il n'y a pas pris. 10 séries. Combien font 8758 plus 500? 8758 plus 500 font 9258. 9258. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour du pognon? Bon ben, hasta la vista, hein, tu peux t'en aller. Je vais me débrouiller. On va manger déjà. Voilà, et on va refaire encore un ou deux tableaux. Tant qu'on est toujours... Je travaille quand, moi? Ah, je travaille dans 2 heures. Allez, dépêche-toi. Non, arrête de parler avec lui, là, c'est bon. Ah, putain, j'ai dépensé des sous pour rien. Oh, c'est pas grave. Ah bah va reprendre un peu quand même. Allez hop. On travaille dans 1 heure, c'est ça? Ok, nickel. Bon bah voilà, on aura fini le challenge enceinte, bien sûr. Ça aurait pas pu être autrement. Allez au boulot. Donc, nous sommes dimanche et le challenge finit mercredi. Hop, quand tu rentres au dodo. Demain, il faut changer de travail. Oh, elle va tomber de fatigue avant d'atteindre le lit, elle. Qu'elle a... Ah bah non, je voyais, je pensais qu'elle allait tomber de dynamition, bref, qu'elle allait tomber dans les pommes avant d'atteindre le lit. Prendre des restes. Et... Ah bah, il est 8h du matin. Lève-toi. Et on va se choisir un travail. Enfin, se choisir. 10 séries. Donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 6. 6. Donc là, c'est pour le boulot. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas tiré vu qu'on avait un boulot à chaque fois. Carrière gourou des technologies. Un nouveau logiciel doit être mis sur le marché. Il y aura besoin d'un testeur. Donc, on va chercher un boulot dans gourou des technologies. Et à 10h, on tirera une carte chance. Gourou des technologies. Hop. Prochain jour de travail. Dans 2 jours. Eh ben, c'est pas, on n'est pas rendu. Hein. Allez, prends des restes. Va aux toilettes. T'es venu m'amener des factures, toi? Bah, tiens. Fais ça discretos, genre on t'a pas vu. Ah oui, elle est mal à l'aise. Oh bah écoute.
un petit tour aux toilettes. On va écouter la musique. Allumer. Allez, alternative. Et bonjour, Tentacionti. Ça, il y a beaucoup de si là-bas. Et merci pour le follow. Désolée, je n'avais pas vu. Merci beaucoup. J'avais pas vu, puis j'ai pas eu l'alerte. Bah voilà. J'ai pas eu l'alerte, je disais donc la voilà. Je vais l'emmener à la piscine, tiens. Ça va la détendre. Ça va lui faire du bien, faire un petit peu de sport, retrouver sa taille d'antan. On va prendre une douche là-bas. On va dire la piscine d'intérieur dans le jeu de base. Parce qu'on est en hiver. Donc. Allez, la douche. Et on va aller à la piscine un petit peu. Alors, où est-ce que... Ah bah voilà une piscine. Je sais pas si elle est en intérieur ou en extérieur. On va aller voir. On va aller voir. Parce que si elle est en extérieur, ça va être compliqué. On va congeler Penny. Ce serait con de congeler Penny à 3 jours de la fin du challenge alors que j'étais à ça de réussir. Je l'ai déjà fait le coup de louper mon challenge à ça de réussir. C'est donc en extérieur. On va pas pouvoir s'y baigner en fait. Putain, il n'y a pas une piscine d'intérieur quoi. C'est quoi ce bordel? À Windenburg, il n'y a pas une piscine. Ah bah j'en viens à Windenburg. Oh. À Brindleton Bay. Pas une piscine. Ah, une piscine mais l'extérieur. À oh, Oasis Spring, de toute façon il fait tout le temps chaud. Peut-être moyen de se baigner, non? Je sais pas s'il y a une piscine à la salle de sport, je crois pas. On va aller voir. Je sais pas, on va aller voir. Je sais plus s'il y a... Je sais plus s'il y a une piscine, de toute façon il fait chaud aux Spring. On va pouvoir se baigner même si elle est en extérieur, mais je sais pas, je suis pas sûre qu'il y ait une piscine parce que c'est un monde qu'ils ont créé avant l'arrivée des piscines. C'est ça. Pas de piscine en fait. Ah oh, bah merde alors, on pourra pas les faire de la piscine. Bon bah tant pis, tu vas aller faire du sport. Hein. T'as des feux de piscine, je suis désolée, c'est l'hiver ma grande. Je sais pas, j'ai pas les moyens de te construire une piscine intérieure, tu vois. Quand même. Vraiment passer entre les machins. D'accord. Pas plaisir. Allez, on est parti. Non. Pas la piscine. Bon, allez, pensez à en rajouter hein, une les gars quand même.